Dans cette capsule, nous allons voir comment l'application Motion Shot nous permet d'étudier un mouvement. Motion Shot est une application que l'on peut installer sur tablette ou smartphone. Elle permet de réaliser des chronophotographies, c'est-à-dire une superposition de plusieurs photos du même mouvement sur une seule image. Le mouvement est alors décomposé et on peut observer facilement la trajectoire de l'objet. Pour savoir comment utiliser l'application, écoute attentivement la vidéo qui suit. Tu es prêt? C'est parti! Ouvre l'application Motion Shot. Fais la mise au point sur la scène que tu veux étudier. Quand la mise au point est faite, tu ne dois plus bouger. Appuie sur le bouton rouge pour enregistrer le mouvement. Appuie une deuxième fois pour arrêter l'enregistrement vidéo. L'application décompose alors le mouvement que tu viens d'enregistrer. Pour l'instant, tu n'as rien à faire. Tu as juste à attendre que l'application travaille. Par contre, observe bien. Tu vois les images apparaître au fur et à mesure. Une fois que c'est terminé, tu pourras modifier le nombre de photos. Le nombre de photos que tu choisis de faire apparaître doit te permettre de bien pouvoir observer le mouvement et de pouvoir ensuite le décrire. Une fois que l'image te convient, valide, puis enregistre celle-ci. Tu peux ensuite fermer pour être prêt à faire une nouvelle image. Une fois que tu auras enregistré les trois mouvements demandés, il faudra préparer une page pour que je puisse l'imprimer et que tu l'amènes dans ton compte rendu. Voilà comment nous allons procéder. Ouvre l'application Polaris Office. Une fenêtre apparaît. Appuie sur Ignorer. Crée un nouveau document à l'aide de l'icône Ajouter une page. Choisis Document 2007 et utilise une page vide. À l'aide de l'icône plus, ajoute une image de la galerie. Cherche dans la galerie le dossier Motion Shot. Ouvre-le et sélectionne l'image qui t'intéresse. Recommence si tu veux insérer d'autres images. Sauvegarde ensuite ton travail avec Enregistrer sous. Tu indiqueras en nom de fichier ton nom et ton prénom. Voilà, tu disposes de tous les outils pour me faire un bon compte rendu, alors je compte sur toi. Bon travail!